Ophélie Meunier, qui présente l'émission Zone Interdite sur M6 et qui travaille aussi sur RTL dans le journal Inattendu, est bien occupée professionnellement. Côté vie privée, la jeune femme de 33 ans est mariée depuis 2018 avec le producteur de télévision Mathieu Vergne, papa de deux garçons, avec qui elle a eu un fils, Joseph, né en juin 2019, et avec qui elle va bientôt avoir un second enfant. Une grande famille sur laquelle elle a accepté d'en dire un peu plus lors d'une interview accordée au magazine Nous Deux. Comme tout le monde, on fait comme on peut, a confié Ophélie Meunier, dont les journées sont bien remplies. Je n'ai pas de recette magique. Je m'écoute au maximum. Quand j'ai une journée où je finis mon travail plus vite, je rentre plus tôt pour passer du temps de qualité en famille. Mais, quand je pars en tournage, je ne suis pas à la maison pendant 2 jours. S'y est-il beaucoup à l'instinct, au jour le jour, quand on sent que s'y est-il crucial, on rentre, a-t-elle ajouté. L'animatrice est aussi une maman très protectrice, qui n'est pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, ce qui explique pourquoi elle n'expose pas trop Joseph, le petit grandi, donc s'y est-il plus facile, mais il n'y a pas eu de changement dans ma tête. On ne voit jamais son visage, ou alors quand il était plus petit, donc il n'est pas reconnaissable au moment où je le poste. Ophélie Meunier enceinte de son deuxième enfant, fille ou garçon? En avril 2021, Ophélie Meunier confirmait auprès de Gala être enceinte de son deuxième enfant. Mais s'agit-il d'une fille ou d'un garçon? Mon mari et moi, nous ne le savons pas nous-mêmes. A-t-elle fait savoir à Télé 7 jours en mai dernier. Sur Instagram, la journaliste d'M6 a dévoilé à plusieurs reprises son baby bump, pour le plus grand plaisir des internautes.